Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2 sur le DLC 1 The Darkest Shore. Donc ce tutoriel consiste à vous montrer la liste des personnages cachés, donc des défis cachés à obtenir pour débloquer les personnages cachés. Alors tout d'abord, avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à faire une grosse dédicace à LMGL qui présente les tutoriels en vidéo pour débloquer les personnages cachés. Donc il les fait en vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse d'avoir des petites astuces et des petits tutos pour faire ces personnages là. Donc il n'a pas encore tout fait, mais je pense que ce sera l'un des premiers à faire le tuto sur tous les personnages. Donc voilà, je mettrai sa chaîne en description. Alors une autre grosse dédicace à Kenshin9977, car c'est grâce à lui que je vais vous présenter cette liste. Donc d'habitude je vous propose la liste de Reddit, mais cette fois-ci j'ai remarqué que Kenshin avait fait une liste de ses personnages cachés qui met à jour tous les jours et que vous pouvez même vous-même aider à mettre à jour. Donc ça, je vais vous expliquer ça après. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à Kenshin9977. Je mettrai sa chaîne en description. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner sur sa chaîne, à sa chaîne, parce que c'est vraiment une des très très grosses références en zombies dans la communauté française. Donc voilà, peut-être même la plus grosse référence. Alors, tout simplement, quand vous êtes sur la chaîne de Kenshin, vous allez dans vidéo. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description, mais vous pouvez quand même aller passer un petit tour sur sa vidéo et faire un petit like, et etc. Hein, mettre un petit commentaire de remerciement, et peut-être même un petit hashtag SoCoolMec, pour dire que vous venez de ma part, quoi. Pourquoi pas. Alors, vous allez sur la vidéo Zombie News. Drama, tatatin, fouille de concours. Bon, là, il n'y a pas de pub. Mais si vous voyez une pub, les potos, vous cliquez sur la pub. Genre, s'il y a une pub Scarlett, ici, il y aura un petit lien Scarlett. Vous cliquez sur la pub. Puis après, vous regardez encore toute la vidéo. Comme ça, vous êtes sûr que la YouTube Money, il va en gagner, ok? Oh merde, on voit ces statistiques ici. Ne faites pas attention à ça, c'est Social Blade. Ça ne veut rien dire. Surtout qu'il met tout en nom répertorié, donc ça ne veut rien dire de tout. Alors, bon, où est-ce que j'en étais? Voilà, j'en étais ici. Donc là, il parle, hein, blablabla. Tu connais Kenshin, il parle beaucoup. Non, je rigole. Alors, vous allez ici dans plus, hein, ici, il y a Google Doc. Vous allez ici, et là, première chose que vous faites quand vous arrivez sur le site, bim, petite étoile bleue pour dire que vous le mettez en favori. Alors, c'est un guide totalement en écrit, créé par Kenshin9977, qui fait du très bon travail. Il faut savoir que ce Google Doc n'est pas rémunéré, enfin, je ne pense pas, hein. Mais il fait tout ça gratuitement, hein, pour vous et pour nous, pour la communauté, quoi. Surtout pour les youtubeurs, moi, personnellement, j'aime vraiment bien son site. Bon, après, j'ai pas encore tout regardé parce que je connais à peu près tout. Mais voilà, il y a pas mal de trucs ici à gauche, hein. Mais bon, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, on va pas s'écarter du sujet, c'est les personnages principaux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les personnages principaux? Il va falloir descendre. Quête secondaire, Dr. Strobe. Personnage, voilà, on y est. Alors, de là jusque là, il y a les 12 personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, je pense qu'il y a presque 12 personnages, enfin à peu près. Donc, non trier, faire le secret en mode 1. Donc, en fait, ça, c'est des défis que vous allez débloquer, mais qui ne savent pas chez quel chasseur ça va aller, en fait. Enfin, chez quel personnage ça va être utile. Vous voyez? Donc là, il est marqué vérifier. Donc quand c'est vérifié, ça veut dire que c'est sûr. Il faut faire le secret en moins de 1h15 pour obtenir ce défi. Donc les XX, c'est qu'on ne sait pas encore. Avoir au moins avant la manche, blabla. Je pense que c'est 30 000 points avant la manche 13. Bon, après ça, il fera une mise à jour, hein, vous ne tracassez pas. Donc il y a le chasseur blues. Donc obtenir les ABC en tuant les zombies trésors. Là, il y a les 20 manches complétées en activant, sans activer le courant, sans ouvrir la porte, sans prendre des dégâts. Sans prendre de dégâts, il est marqué à vérifier. Donc, ça veut dire que c'est pas sûr. Donc, ils ont obtenu le trophée, le défi à la manche 15. Mais est-ce que c'était sans prendre de dégâts uniquement? Ou est-ce que c'était autre chose? Donc, c'est pour ça que ça a vérifié. Donc, ici, il est marqué condition à préciser. Donc, tout simplement, il va falloir préciser si c'est bien comme ça que ça se passe. Voilà, comme là, comme là, comme là. Donc, voilà. Ici, obtenir le pommeau sans débloquer le pack à punch, c'est faux. Donc n'essayez pas de faire le secret sans pack-a-punch, parce que ça ne fonctionne pas. Alors pareil ici, c'est s'échapper de la map en solo. Survivre 40 manches complètement en solo. Alors là, quand j'ai vu ça, et même quand j'ai entendu ça sur le live de Drop Dead Boy, dédicace à toi poteau.
Quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu foudrage parce que moi j'aime bien les challenges et faire le secret en solo, ça a toujours été un challenge pour tout joueur de zombies, enfin personnellement. Et quand j'ai vu ça, bah, j'étais déçu mais de ouf quoi. Donc voilà, ça c'était mon petit avis. Hein. Donc après survivaliste de Corbeau de la Mort, survivaliste danois, tueur Bloodraven. Donc voilà, vous avez toute la liste. Hein. Donc faites-vous plaisir. Alors, comment vous faites si vous voulez proposer votre aide? Donc, par exemple, si vous, vous savez que par exemple, celui-là, vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut faire, combien de points vous devez avoir. Donc, le XXX, vous pouvez le remplacer, comme c'est des conditions à préciser. Et bien, vous allez ici et vous faites demander l'accès. Moi, je l'ai jamais fait, hein. Ok, donc maintenant ce sera avec votre adresse email et ce sera demandé au propriétaire. Donc vous lui dites que voilà, vous avez trouvé, vous êtes sûr de vous, le chasseur de ces villes, il faudra faire le secret avec au moins autant de points. Et là vous lui envoyez ça, vous lui envoyez une requête. Et si la requête est très correcte, à mon avis, il vous acceptera. Bon, si vous commencez à faire des conneries, il le dit dans la vidéo, ça lui prend même pas 2 minutes pour supprimer tout ce que vous faites. Donc s'il vous donne l'accès et que vous foutez des conneries, bah dans 2 secondes vous êtes supprimé, ok? Donc voilà, il sera vite mis au courant, les gens vont sûrement le prévenir, donc voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais que vous étiez nombreux à me demander beaucoup à propos des personnages. Et ben justement, ici, nous sommes sur le site de Tkenshin, où nous allons, comment dire, résoudre tous ces petits défis pour toute la communauté française. Donc franchement, n'hésitez pas à aller sur ce site. Que je mettrai en lien en description, si vous voulez, si vous êtes fainéant et que vous voulez juste cliquer sur le lien, bah je vous le mettrai en description. Mais sinon, faites un petit tour chez Kenshin, hein. Ça vous prendra quelques secondes supplémentaires, mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour une petite vidéo, les potos, allez, ciao, peace.